produire et consommer son électricité à partir de l'énergie solaire, et si vous passiez le pas ? Bienvenue au Salon de la Maison. De plus en plus de Réunionnais optent pour les projets photovoltaïques. Je suis en présence d'Arthur, directeur d'agence. Mais quelle consommation pour quelle installation ? Alors aujourd'hui, au niveau de la consommation, il faudra qu'on fasse une étude personnalisée avec un client pour savoir sur quelle centrale on pourrait partir. On a trois centrales aujourd'hui qu'on propose à nos clients. La première, c'est une 3 kg, ensuite une 6 ou une 9. Aujourd'hui, on va toujours prioriser une centrale avec de l'autoconsommation, mais avec système de stockage, notamment avec des batteries. Pour que quand le client aujourd'hui n'a plus d'électricité auprès d'EDF, bah, il peut avoir quand même de l'électricité grâce à sa centrale photovoltaïque. Et en termes de coûts, il faut prévoir Il faudra avoir aujourd'hui au niveau des mensualités, parce qu'on propose aujourd'hui un transfert de charge. On ne pourra pas aujourd'hui donner un prix exact parce que c'est une étude personnalisée. Mais par contre, effectivement, le but, c'est que vos mensualités que vous payez avec EDF soient pratiquement la même chose avec votre centrale photovoltaïque. Donc c'est pour ça. Merci Arthur. Rendez-vous au Salon de la Maison chez nos partenaires et découvrez le crédit chrono Sofidère.